Bonjour à tous. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter le chapitre 4 des SVT, la structure de la Terre. Sur ce document, nous pouvons observer la carte de la répartition mondiale des séismes, comme nous avons déjà pu le rencontrer en classe. Nous voyons que les tremblements de terre sont situés à la fois dans les océans et les mers, mais également sur les continents. Ce document présente la répartition mondiale des volcans. Il existe également des volcans sous les océans et les mers, mais également des volcans sur les continents. Ainsi, les séismes et les volcans ne sont pas répartis au hasard, ils sont situés au niveau des reliefs, les dorsales océaniques, les fosses océaniques et les montagnes. Les volcans et les séismes délimitent ce que nous appelons des plaques. Sur cette carte sont représentées les 12 plaques en moyenne que nous pouvons compter à la surface de la Terre. Mais qu'est-ce qu'une plaque ? Un film d'animation, L'âge de glace 4, a utilisé le thème de la dérive des plaques ou de la mobilité des plaques dans son histoire. Sur ce document, nous étudions la vitesse des ondes sismiques en kilomètres par seconde en fonction de la profondeur en kilomètres. Nous observons, donc cette étude est réalisée en laboratoire, que la vitesse des ondes, d'abord autour de 3,8 km par seconde, augmente lorsque nous descendons en profondeur jusqu'à environ 4,7 km par seconde, puis cette vitesse reste constante jusqu'à environ 100 km de profondeur. Puis, lorsque nous descendons, la vitesse des ondes diminue. Nous rencontrons ainsi deux zones. Une zone à la surface jusqu'à environ 100 km de profondeur, où la vitesse des ondes augmente puis reste constante. Il s'agit de la lithosphère. Puis une zone sous 100 km de profondeur, où la vitesse des ondes diminue. Il s'agit de l'asthénosphère. On nous dit que lorsque la vitesse des ondes sismiques diminue, la rigidité des roches diminue. Il semble donc représenter sur ce schéma la structure de la Terre, que notre planète est composée de différentes couches et que la couche la plus à la surface s'appelle la lithosphère. Et cette lithosphère composée de roches rigides, d'une épaisseur d'environ 100 km, repose sur une couche qui est moins rigide que l'on appelle l'asthénosphère. La partie externe de la Terre est ainsi formée de plaques lithosphériques rigides de 100 km d'épaisseur en moyenne qui reposent sur l'asthénosphère qui, elle, est moins rigide. Rigide est synonyme de cassant. Sur ce document, des traces géologiques sont représentées sur les différents continents par différents figurés. Si nous intéressons à un vertébré d'eau douce ayant vécu il y a 260 millions d'années, le mésosaure, celui-ci vivait à la fois en Amérique du Sud et en Afrique. Or, cet être vivant vivait en eau douce, il n'a pas pu donc traverser l'océan Atlantique. Une des hypothèses proposées a été qu'auparavant, les continents étaient rassemblés en un seul. Cette hypothèse a été établie notamment par M. Wegener, qui a découvert que l'Afrique et l'Amérique du Sud semblent s'emboîter. Cela permet d'expliquer ainsi les aires de répartition de ce mésosaure, mais également d'autres gisements de roches qui datent de 4,5 milliards d'années. Une vidéo vous permet d'illustrer la mobilité apparente des plaques lithosphériques. Le GPS mesure des mouvements des plaques. Alors, le GPS, système de positionnement américain, permet de localiser un lieu à la surface de la Terre grâce à un réseau de satellites. Des récepteurs posés sur le sol des plaques lithosphériques révèlent ainsi des mouvements de ces plaques. Cette animation vous présente le mouvement des continents posés sur les plaques au cours du temps. Vous réalisez que les plaques sont mobiles depuis 600 millions d'années.
Ainsi, le système GPS permet de mesurer les déplacements des plaques. Les plaques lithosphériques sont mobiles les unes par rapport aux autres et leur mouvement, de quelques centimètres par an, transforme la surface du globe. Sur cette photographie, une déformation peut être visible dans le paysage, ici un pli. Un autre pli, à une échelle différente, et également la superposition de différentes couches qui semblent être décalées, nous parlons de failles. Mais comment se forme une plaque et comment expliquer que les mouvements des plaques entraînent des déformations du paysage? Voici la vidéo présentant ce qui se passe au niveau des dorsales. Pour rappel, les dorsales sont situées à la limite entre deux plaques. Il existe un mouvement d'éloignement entre deux plaques. Cet écartement permet la remontée d'un magma venu de la profondeur. Le magma, en remontant, se refroidit et donne naissance à de nouvelles roches, ici schématisées par différentes couleurs. Nouvelles roches, c'est-à-dire des nouvelles plaques. Ainsi, les plaques se forment au niveau des dorsales océaniques. Le volcanisme des dorsales crée de la lithosphère océanique par l'éruption de basalte, qui sont des roches volcaniques océaniques. Quelques définitions utiles, nous parlerons parfois d'accrétion. Il s'agit d'une formation de roches lithosphériques au niveau d'une dorsale et de divergence, qui signifie ce mouvement d'écartement au niveau de deux plaques. Vous verrez lors d'une activité maison que l'Islande a une position géographique particulière. Celle-ci est située au milieu de l'océan Atlantique, au niveau des dorsales. Ainsi, si le mouvement d'écartement de plaques se fait au milieu de ce pays, des signes sont visibles sur le terrain et nous pouvons nous demander quel est le devenir de l'Islande. Sur ce schéma, si nous résumons, nous venons de découvrir qu'au niveau des dorsales, des plaques lithosphériques se formaient. Or, la planète Terre garde un volume constant. Cela signifie qu'à d'autres endroits, d'autres continents se rapprocheraient afin que de la lithosphère disparaisse. Sur cette animation, vous allez pouvoir visualiser sur la partie gauche le mouvement d'écartement entre deux plaques au niveau d'une dorsale et ainsi la formation de lithosphère, mais également ce qui se passe à une autre région du globe terrestre, c'est-à-dire le rapprochement de deux plaques et la disparition de plaques en profondeur. Comme nous le visualisons ici, il s'agit de subduction. Si ce mouvement de rapprochement ou de convergence continue, cela peut aboutir à une collision ou encore formation d'une chaîne de montagnes. Ainsi, la convergence correspond au mouvement de rapprochement entre deux plaques et la subduction au passage d'une plaque sous une autre. Nous pouvons retenir que les plaques peuvent se rapprocher. Soit la plaque océanique passe sous la plaque continentale, elle s'enfouit alors en profondeur, une fosse océanique se forme. Soit les deux plaques océaniques se rapprochent l'une de l'autre et forment ainsi une montagne. Des plis peuvent être visibles sur le terrain. Nous retiendrons de ce chapitre que les mouvements des plaques entraînent des déformations du paysage au cours du temps. Lorsque nous nous retrouverons en classe, nous réaliserons une première activité afin de définir clairement ce qu'est une plaque lithosphérique et vous réaliserez par une activité maison la position future des continents. Je vous dis à bientôt.